Mes deux croisières au sol pour faire le joint de dilat, pour créer une dilatation avec le sol, et hop là, super. On contrôle l'alignement, donc là on est vraiment bien, et l'éclairage. Alors moi je le fais avec mon équerre de menuisier. On pourrait très bien le faire avec une plainte, parce que là on est en présence d'un carrelage rectifié, les plaintes sont rectifiées, donc je pourrais très bien faire comme ceci aussi, vous voyez, donc au choix. Donc ici j'ai posé mes plaintes au sol, maintenant je vais venir les encoller. Donc, un petit nettoyage long du mur et sur la plainte. La plainte est encollée. Donc on fait en sorte que ça dégueule pas. On vient poser deux croisillons au sol. Pour rappel, on laisse toujours un joint de dilatation entre le sol et la plainte. On ne vient jamais poser la plainte sur le sol, enfin du moins sur le carreau au sol. Alors au début, je me contente juste de la poser sans exercer la moindre pression. Je m'aligne par rapport au carreau. Alors là, c'est au choix. Ici, les clients ont voulu aligner joint sur joint. On pourrait faire une pose en décalé aussi. Là. Alors ici, mes plaintes sont posées. Donc pour l'instant, elles ne sont pas réglées. Maintenant, je vais venir contrôler l'alignement. Donc avec une règle de maçon propre, on vient aligner nos plaintes. Vous voyez, là on est superbe. Et là pareil. Là. Superbe. L'alignement est fait. Avec le maillet, je viens légèrement faire adhérer ma plainte. Maintenant, je les règle. Hop. Superbe. Et voilà pour nos plaintes. Donc vous voyez, pour l'instant, je me contente de poser toutes les plaintes droites. Et ensuite, je me réserverai une matinée coupe. Donc là, c'est la même chose. On va venir poser. On peut venir poser une droite ici. Là-bas, pareil, je vais en profiter, il y a juste une petite coupe à réaliser à la meuleuse, donc je vais le faire. On va venir couper ces plaintes dans un angle rentrant. Donc pour ça, première étape, je vais venir prendre la cote. Donc ici, bien entendu, j'ai mon réglé qui est trop court, donc je vais marquer 50. Donc 56,6, ok. Donc ça, c'est juste pour un petit rappel, 56,6. Donc j'ai pris ma cote par rapport à mon carreau, donc les 3 mm de jeu, je les ai déjà. Et là, je vais laisser 1,5 mm. Donc, allez, je vais couper à 56,4. Donc, je vais tracer la cote sur ma plainte à 56,4. Donc là, je suis à 50. 56,4. Hop. Et je trace un trait d'équerre. Alors, ce qui m'intéresse ici, j'ai ma cote à 56,4, c'est de lui faire un angle comme ça. Ok, à 45 degrés. Parce que je suis dans un angle rentrant de 90 degrés. Donc, je prends mon équerre, comme ceci. Et je viens tracer mon angle. Ok. Et ensuite, pour faire une coupe parfaite, je viens me prolonger.
là. Et voilà à quoi va ressembler notre coupe. Maintenant, on va les couper. On va procéder maintenant au jointage des plinthes. Donc, elles sont propres. Je suis venu passer l'aspirateur. On n'a pas d'impureté. Donc, c'est parfait. Donc ici. Ensuite, on a ce côté-là. Hop. Cette partie. Et idem sur le dessus. Voilà. Écraser mon joint. Et la tête. Allez, avec une éponge légèrement humide, on va venir fignoler tout ça. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, hop là, faut vraiment pas forcer, c'est très léger.